Bonjour à vous, bonsoir à nous. Vous êtes en compagnie du seul et unique tonton Jardinou. Ah oui, je suis le seul et unique tonton Jardinou. Ouais. Ça n'a pas voulu faire ce que je voulais faire. Je vous souhaite un joyeux Halloween si la vidéo sort avant. Pendant ou après la période d'Halloween, je ne sais pas encore. Je vais brancher mon casque. On va aller se regarder une petite vidéo, soi-disant, peur avec plusieurs niveaux. Je suis chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Oh yeah, moi je suis chaud. On perd pas plus de temps. On remonte les manches. Et c'est parti. On boit une petite gorgée de mon pote Oyop à la vanille. Si tu vois cette vidéo, tu es la bienvenue. Qu'est-ce que c'est bien blanc, dis donc. What the fuck? Je sais pas si vous le verrez, mais comme vous pouvez constater, voilà. Voilà. Je casse tout. Ah! Ah, trop fort! Ah! 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 Dieu! Faire trop le con, ça fait tousser, oh. On va commencer de ce pas. Pouf! Allez hop 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 hop. J'espère que cette vidéo vous plaît. Elle a été vue plus de... Attendez. 1 800 000. Oh putain, non, je vous... Voilà. Je vous fais montrer hein, directement. Ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Depuis 2020. Oh. J'ai failli faire une connerie. J'ai failli regarder la fin. Il me semble de l'avoir déjà vu. Je vais être honnête. Honnête et franc avec vous. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu avec mon beau-frère. Il me semble qu'on avait vu une vidéo de ce genre. Je ne sais pas si c'est lui. Mais en tout cas, très peu de souvenirs. Je sais que ça faisait assez peur en soi. Voilà. Vous le prenez comme un essai par numéro 3 à la suite. Ou soit un spécial vidéo Joyeux Halloween. On s'en fout, tant qu'on est là pour se faire peur, tant qu'on est là pour se faire plaisir et kiffer. J'espère que vous me voyez, j'espère que tout est correct. S'il y a des bruits de pattes, d'aboiements, des portes qui s'ouvrent, ce n'est pas paranormal. Ne vous inquiétez pas, c'est mes bébés qui sont juste là. La seule chose que je peux vous dire, c'est... Let's go! Vous avez un grand défi à relever aujourd'hui. Bien sûr. Je réglerai le son rien que pour vous. Plus effrayant. Attends, j'arrive pas à parler quand tu parles, mec. T'es incroyable, mais tais-toi 2 secondes. Je réglerai le son pour vous, ne vous inquiétez pas. S'il est pas assez fort, j'augmenterai plus pour vous. Quel crevard ce mec. Moi en tout cas, j'ai mis le son pas à fond, j'ai pas envie que mon cerveau explose, mais assez fort en soi. Et à mesure que vous... Donc c'est parti. Les vidéos deviendront de plus en plus effrayants. Pensez-vous pouvoir... Ouah, ça... Ça m'a fait peur. Qui est le courageux? Qui ose commencer? Moi. Niveau 1. Allez, vas-y, je suis chaud. Vous êtes chaud, c'est parti. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et où il se passe quelque chose de très étrange et difficile à expliquer, qui n'a même pas été nié jusqu'à présent. Elle se déroule au Brésil, dans un environnement... Au Brésil? Il est trop mignon, ce petit renard. Le titre de cette vidéo était d'enregistrer le comportement d'un renard dans son habitat naturel. Ce qui, pour beaucoup, était une simple recherche sur les animaux, est rapidement devenu un événement surnaturel. Dans la vidéo, vous voyez un renard qui a commencé à manger la nourriture proposée par ce groupe de personnes. Son comportement était étrange, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Je me suis un peu augmenté la luminosité. De nulle part, une énorme ombre noire est apparue, grande et robuste, se déplaçant à vitesse maximale et s'attaquant au renard. Il semble que cette figure géante ait kidnappé l'animal sans faire de bruit. Nous ne pensons pas que le niveau 1 était un défi pour vous, n'est-ce pas? Ouais, c'est... Non, mais je pense que c'était plus un renard. Pfff. Un aigle. Un énorme oiseau. Voilà. C'est Batman. La chauve-souris. Mais quand elle se promène dans la maison, on peut voir un garçon qui joue derrière elle, essayant de se mettre devant la caméra. Allons voir la vidéo. Oui, là, ça fout les chocottes. Itchy, Itchy, je le savais que c'était toi. Qu'est-ce que tu fous ici? Quand je te mate, j'ai vraiment trop les boules. Nous sommes au niveau 3. Maintenant, les choses vont devenir un peu moins sympas.
La vidéo suivante a été prise au Japon, et l'on voit un groupe de jeunes gens dans une sorte de soirée pyjama. Apparemment, les filles s'ennuyaient, alors elles ont décidé de prendre une photo avec une tablette. L'une d'entre elles place l'appareil devant son partenaire, et lorsqu'elle se concentre sur elle, elle remarque que derrière elle, une figure diabolique effrayante apparaît. La fille a lâché la tablette de terreur. Il est clair qu'il n'y avait absolument rien derrière cela. Voici la vidéo. Ah, la vidéo. Ouais, ça m'a donné des frissons quand même. Nous sommes à mi-chemin, et à ce niveau nous allons... Je sais pas si c'est vrai ou c'est fake, mais... Un homme a... Ça donne des frissons, il faut se l'avouer. ...venant de son sous-sol. Bien que l'homme n'ait pas eu peur, l'atmosphère était très tendue, car il ne savait pas ce qu'il allait trouver. En descendant, il s'est rapidement effondré de peur en voyant une ombre se profiler au bas des escaliers. Il a couru rapidement vers le sous-sol, mais il n'y avait absolument rien. Regardons la vidéo. Je suis tout ouïe. I know I heard you. Holy fuck! Oh my dude! I just saw. Holy shit, man! Holy fuck! Holy fuck, dude! I swear to gosh, I just heard it. Holy shit! Ça, je déteste ça, putain! Peu à peu, les vidéos commencent à devenir plus terribles. Je commence à avoir des frissons, c'est pas bon. Plus de force et de courage. Tout se passe dans un système de transport au Mexique, où l'on a pu entendre des bruits très étranges, des cris, des pleurs. Tout indiquait que... C'est moi qui dois vous faire peur, là, ça. À ce moment-là, ouais. Pour voir ce qui se passait avec des caméras, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient rencontrer un étrange phénomène paranormal qui ferait fuir n'importe qui. Nos encontramos en las instalaciones Metro Cali, aquí en las aquí abajo en el sótano. Escuchamos unos ruidos, probablemente de la persona que no ha podido deliberar, no ha podido salir. Entonces estamos averiguando, en este momento tengo el celular encima de la de una caneca. A ver qué es lo que acontece. Mi nombre es John Heider Sánchez, estoy con Orlando Figueroa. Non, ça, j'aime pas, j'aime... C'est nul, je suis désolé, ce genre de vidéo, je trouve ça nul. Que ça soit vrai ou faux, je m'en fous, dans tous les cas, c'est nul. À mes yeux, ça ne m'intéresse pas. Si je devais filmer un phénomène de ce genre, personnellement, je sais que j'y prendrais pas, je m'y prendrais pas sens, putain, j'ai plus à parler, ça y est. Je ne ferais pas très attention en soi. Je sais que personnellement, c'est vraiment pas l'une des choses qui me donnera de... Lorsqu'ils sont arrivés sur le site, c'était un sous-sol de cette institution. Ils ont commencé à demander très prudemment s'il y avait quelqu'un. Pendant quelques minutes, il ne s'est rien passé. Il n'y a eu ni réponse, ni manifestation de vie humaine. Mais non, sans déconner. La caméra a continué à tourner, capturant un événement fantomatique très choquant. Sans que cela puisse être vu directement par l'œil humain, l'équipement électronique a enregistré une étrange silhouette, une sorte d'ombre qui se déplaçait d'un côté à l'autre. On pouvait voir la... Il y en a qui s'incrustent dans la vidéo. Bah ouais, il y en a qui se font pas chier ici. Couche-toi mon bébé. Si vous avez réussi à aller aussi loin et que vous n'avez toujours pas peur, félicitations, nous y sommes presque. Celle-ci a été enregistrée dans une morgue où des jeunes se rendent dans l'un des couloirs les plus effrayants de cet endroit. Un lieu où ils emmènent les corps qui sont examinés et préparés pour leur enterrement. Au début, ils entendent des bruits sourds de métal, comme si une grande porte était déplacée avec une grande rage. La scène est sombre, une lumière clignote, rendant l'atmosphère hostile et terrifiante. Ouais, mais ta gueule! Je l'ai déjà vu cette vidéo. Y'a rien, on le sait qu'y'a rien. Voilà. Jusqu'au niveau 6, moi. Y'a peut-être, c'est quoi, le niveau 2, niveau 3 là? J'avoue que ça m'a donné des frissons. Je suis honnête avec vous que ça. Je crois que je me ferais pipi dessus si ça devait m'arriver un jour. En s'approchant, on voit clairement comment une grande porte s'ouvre et se ferme avec beaucoup d'énergie.
le mouvement de la porte était complet, comme si quelqu'un avec un bras long le faisait. Lorsqu'il s'approche à quelques mètres, le bruit s'arrête à côté de la porte qui est laissée entrouverte. Comme par hasard, dis donc. Que rien ne déclenche ces mouvements, ne laissant qu'une seule conclusion, une activité paranormale des plus intenses jamais enregistrée. Niveau 7. Niveau 7. Bon, là 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 là. Toujours régler ces problèmes de matériaux, bordel. Allez, c'est reparti. C'est plus terrifiant qu'une excusez-moi, ça fait pas peur, hein. Et pour ce niveau 7, faut se l'avouer. Vidéo qui montre un ami imaginaire. Non, ouais. Ces personnages sont créés par des enfants en bas âge, qui sont pour la plupart solitaires. L'histoire se déroule au Japon, où des parents filment leur fille en train de manger pour la première fois un aliment. Au cours de ce processus, ils parlent à la fille et lui demandent si elle aime ce qu'elle mange. Elle hoche la tête avec beaucoup de respect. Tout change rapidement lorsque la jeune fille fait un salut à distance et signale à ses parents qu'il y a un homme derrière elle. C'est choquant, dis donc. Vas-y. Dernier niveau. J'ai eu un petit sursaut. Car cette dernière vidéo est la plus forte et la plus effrayante de cette compilation. Tiens, je m'attendais pas. Et pour ce dernier niveau, si vous n'avez pas peur, vas-y. Vous venez d'un autre monde et vous avez gagné le défi de cette série de vidéos. Poker face, les gars. Ici, je bougerai pas. Nous voyons une scène où la nuit est le protagoniste. On peut voir une porte de chambre très sereine, calme et tranquille, jusqu'à ce que peu à peu, cela devienne plus inquiétant. Je m'augmente le son. Continuez. Nous vous laissons ici la vidéo. Un conseil, faites attention en la regardant. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, je suis honnête, et je vais être honnête et franc avec vous, ça m'a fait peur, j'ai eu un petit peu peur, je l'avoue. J'ai sursauté, je sais pas ce que j'ai fait comme signe, mais j'ai sursauté. J'ai pas hurlé, tension, j'ai pas hurlé. Mais j'avoue que j'ai eu un petit peu peur, un peu beaucoup même, je dirais, je le mot. J'ai quand même sursauté, je suis honnête, voilà. Mais je connaissais pas cette vidéo, je pense. Il me semble de la part vue à part. Bien sûr, le numéro 6, voilà, c'est le seul que j'ai vu personnellement. Mais les autres, je les ai jamais vus, je préfère le préciser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, il y a une deuxième partie. Oui, je me suis un peu perdu sur Internet. Non, là, je déconne, sur YouTube. Voilà, il y en a une deuxième, juste ici. Voilà. Si ça vous intéresse, si vous voulez que... Je sais pas, on continue à en faire d'autres, c'est avec le plus grand des plaisirs. J'avoue que ça m'a fait un peu sursauter. C'est la première fois que j'écoute ce genre de vidéo à fond, je mets pas à fond, ça fait peur, logique, c'est le but. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires quelle vidéo que vous voulez que je réagisse. Franchement, ce serait avec le plus grand des plaisirs. Ou envoyez-moi directement des vidéos. Il y a mon compte Instagram dans le lien, vous me l'envoyez si vous le souhaitez. Moi, je veux plein de vidéos qui font peur. Je continuerai tout seul ou accompagné avec ma nièce, mon neveu, n'importe qui que ce soit. Bien sûr, mais oui. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, simple. C'est simple. Je suis désolé. Mais allez, dans la seconde chaîne, je vais jouer à un jeu d'horreur. Ce soir, moi, je vais me faire kiffer. Je vais me faire surtout faire pipi dessus. J'ai prévu une petite couche. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est une vérité. Je vous embrasse. Bisous. Bonne nuit, à C4. Et n'ayez pas trop peur, s'il vous plaît, jour d'Halloween. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Sinon, le grand méchant loup va vous attraper.